Ah bah, va. Mesdames et messieurs, bonjour fidèles aux internautes. Très ravi d'être en votre compagnie depuis Bongwanou. Bongwanou, à compter de ce jour, c'est-à-dire le mercredi 9 septembre 2020, devient la capitale de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, entame une visite dans la région du Moronou. Il vient de fouler le sol de Moronou. Le chef de l'État est très heureux, ça se sent déjà. Vous êtes nombreux à nous suivre. On espère que vous allez, dans quelques instants, entendre les premiers mots du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux d'être à Bongwanou, dans le Moronou, pour cette visite d'État que j'ai programmé depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plus tôt, notamment la pandémie à coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j'ai estimé que c'était le bon moment de venir voir mes parents donc du Moronou. Beaucoup le savent, j'ai un aîné qui a fait un demi-siècle ici à Bongwanou, qui nous a quittés, mais donc c'est une région que je connais bien et je dois dire que c'est une région importante pour notre pays compte tenu de son potentiel agricole. Et je me réjouis de faire cette visite, de pouvoir communier avec les populations, de voir ce que nous avons réalisé depuis ces 9 dernières années et aussi d'écouter les populations, de voir ce qu'il faut faire de plus pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc c'est une visite républicaine. Vous voyez, avec cette visite, j'aurais visité 30 régions depuis que je suis arrivé donc à la tête de l'État. Et
bien évidemment avant la fin du mois de septembre, je compte visiter la Maraoué et comme ça j'aurai visité les 31 régions pendant les 9 années que mes concitoyens m'ont accordées. Voilà, je dis bonjour à tous mes parents du Morono. Je vous dis que je suis heureux d'être là et que je resterai toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à samedi avec vous. Merci à tous. Vous venez à l'instant d'entendre les premiers mots du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Très heureux de retrouver ses parents du Morono. Exclusivité nulle part ailleurs. Merci à tous nos techniciens, tous nos confrères de la presse. Dans quelques instants, on va vous donner le déroulé de cette visite d'État de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il va recevoir les honneurs militaires et en profite. On ne sommes pas de course, c'est pas. On travaille dans des conditions pas du tout difficiles, mais ça ira, c'est le boulot. La population du Morono accueille le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les premiers mots du chef de l'État ont été clairs, précis. Je suis fier d'être à Morono. On sait quand le président Alassane Ouattara se déplace, il apporte le développement. Et la population de Morono sera entièrement servie. On va attendre ici. Je reconnais déjà Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense. Nous assistons à l'arrivée du commande-car avec à son bord le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui le bébé qui va passer ici. Le président de la République sera accueilli par le Premier ministre, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Il est exactement 10 heures passées de 2 minutes. Va saluer le préfet de la région de Bongouanou.
recule, on recule. Traoré, recule. On recule, recule, on recule. Laissez le temps de vous allez avoir plus d'espace. Reculons. On recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Allez, on recule. On recule, on recule. Vous allez à la prochaine. Allez, on est sur le maire. À gauche, monsieur. Allons-y à gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Allez, on va reculer. On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout après le. Allons-y. Allons-y au bout là-bas. On recule là. Allons-y au bout, monsieur. Monsieur, allons-y au bout. Tout le monde là-bas, après le. Ah, une vue par vous, c'est ça, c'est trop bien. Donc, on va. Allez-y derrière, parce que le temps de l'État va s'arrêter là. Allez-y derrière le préau. Derrière. C'est toi, là. Le dû.
génial. C'est une grâce, là. Voilà, je suis venu faire un peu de commentaire. Vas-y. Il n'y a pas encore qui est arrivé ici. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours en direct. Bongwanou, à compter de la date de ce jour, devient la capitale de la République de Côte d'Ivoire. Visite d'État, le digne fils, le fils à prodige, vient saluer le Moronou. Dans quelques instants, nous allons vous donner les grandes étapes de cette visite d'État. Il salue les membres du gouvernement au grand complet. La population
qui est sorti comme un seul homme. La population de Morounou est très heureuse de retrouver le chef de l'État. Comme vous pouvez le constater, la population de Morounou est sortie comme un seul homme pour réserver un accueil digne, un accueil très chaleureux à notre illustre invité, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Les jeunes sont très heureux. La jeunesse qui est le fer de lance, le miroir de la société. Maman, bonjour. Bonjour. Vous êtes très content ce matin? Oui, on est très content. Ça compte de nous, on est là. On est venu accueillir notre président de la République. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on n'est rien. On est venu l'accueillir. On est trop content de lui. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de cette visite d'État? Vous attendez quoi du président? On attend. Le chef de Morounou apporte beaucoup de réalisations, comme il a fait dans les autres régions. C'est pourquoi on attend notre président ici. On est très fiers de lui. On est content. Eh oui. La population de Morounou est très heureuse d'accueillir le numéro 1 des Ivoiriens, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Le public est en train de scander le nom du chef de l'État. Partout où le président Alassane Ouattara se déplace, c'est le développement. Là, on attend des cris à deux solutions. Quand la solution se déplace, ça veut dire qu'on peut dormir tranquille, on peut dormir en paix. Pour ceux qui ne le savent pas, quand le président Alassane Ouattara prenait la commande de ce pays, il y avait deux défis à relever. Le défi de la réconciliation et le défi de la reconstruction. Aujourd'hui, on voit les routes, on voit un peu les routes partout. En Côte d'Ivoire, ils sont heureux. On reconnaît aussi les chefs traditionnels qui sont là. Vous aurez les à côté, les coulisses de cette visite d'État. Grâce à la dextérité de notre cher technicien, vous êtes des milliers à vous abonner, à vous connecter. Nous sommes au cœur de l'actualité. La grosse actualité, c'est la visite d'État ici à Morounou. On vous donnera les différentes étapes de cette visite. Nos autorités religieuses, les chefs traditionnels, tout le monde est de la partie. Le public, la population de Morounou qui chante Ado, Ado, Ado. On vous fait vivre
cela sans commentaire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est en train de prendre un bain de foule. Il est très heureux d'être...